Pourquoi l'avoine est-elle si saine Voici quelques conseils pour la consommer. Si l'avoine crue produit de l'acidité, nous pouvons essayer de mieux la mâcher, ou de la faire cuire pour éviter ce problème et ne pas nous priver de tous ses bienfaits. L'avoine est une céréale très populaire, à la fois pour ses excellentes valeurs nutritionnelles mais aussi pour toutes les possibilités qu'elle offre dans la cuisine. Parmi ses nombreux bienfaits, L'avoine peut nous aider à réguler des troubles digestifs et nous fournit l'énergie dont nous avons besoin pendant la journée, ce qui en fait un aliment très sain. Découvrez dans cet article toutes les propriétés de l'avoine, ainsi que les différentes façons de la consommer. Les bienfaits de l'avoine. L'avoine contient des protéines, des hydrates de carbone, des graisses, des fibres, des vitamines du groupe B, B1, B2 et B6, et des minéraux, calcium, magnésium, zinc. Faire. Grâce à ses valeurs nutritionnelles, l'avoine possède de nombreuses propriétés pour notre santé, l'avoine améliore la fonction digestive et prévient l'acidité et les ulcères gastriques. Elle favorise le transit intestinal et combat la constipation sans irriter l'intestin, grâce à sa teneur en fibres. C'est donc une céréale beaucoup plus appropriée que n'importe quelle farine raffinée. La fibre qu'elle contient aide également à réduire les taux élevés de cholestérol. De plus, elle est très nutritive et énergique, ce qui nous donne beaucoup de vitalité. Cette propriété nous aide dans les périodes d'effort et de convalescence, et est très appropriée pour les athlètes, les enfants, les femmes enceintes, et etc. Bien qu'elle ne soit pas faible en calories, la voix aide à perdre du poissonnement grâce à son grand effet rassasiant et à sa faible teneur en matière grasse. Nous pouvons la consommer tous les jours de façon modérée. Sa teneur en acide aminé aide à faciliter la fonction du foie et, par conséquent, permet l'élimination des toxines de notre corps. Ceci est essentiel pour prévenir les maladies. Par ailleurs, la voie ne régule le système nerveux et combat les troubles tels que la nervosité, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, l'hyperactivité, etc. Comment pouvons-nous la consommer Nous pouvons consommer ce super-aliment de différentes façons. Découvrez-les toutes et commencez à profiter de cette céréale dans toutes sortes de recettes. Les flocons d'avoine Les flocons d'avoine et leurs bienfaits Les flocons d'avoine peuvent être consommés crus, comme céréales pour le petit déjeuner, un anka, ou bien cuits. Si nous choisissons de les consommer crus, nous pouvons également les griller et les combiner avec des noix et des fruits, dans un délicieux mélange nutritif. Cette nourriture est très complète et nous apporte une grande quantité de protéines végétales. De vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de fibres. Dans certains pays, les flocons d'avoine sont consommés seuls avec du lait. Cependant, si nous les consommons crus certaines personnes pourraient souffrir de brûlures d'estomac ou de gonflement. Dans ce cas, nous devrons bien les mâcher. Farine d'avoine La farine d'avoine, obtenue par broyage de cette céréale, est un ingrédient parfait dans nos recettes de boulangerie et de pâtisserie. C'est une farine beaucoup plus nutritive que le blé et qui fournit une bonne consistance et saveur aux recettes. En outre, les personnes atteintes de la maladie cliaque ou qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas consommer de gluten, peuvent l'utiliser pour cuisiner, à condition de s'assurer qu'il s'agit d'une farine d'avoine sans gluten, car beaucoup sont contaminés par cette protéine. Avec la farine, nous pouvons cuisiner des biscuits, des gâteaux, des crêpes des muffins, du pain, des gaufres, et ce Smoothie et crème smoothie et crème d'avoine. Si nous voulons ajouter une touche supplémentaire d'onctuosité et de consistance à nos smoothies aux fruits ou à nos crèmes salées, il suffit d'ajouter un peu de farine d'avoine au moment de les mélanger ou de les mixer. Nous recommandons de faire cuire la farine d'avoine un peu avant, ou de la faire tremper pendant quelques heures, de sorte qu'elle apporte cette caractéristique à vos plats. Ceci est possible grâce à sa teneur en mucilage, un type de fibre soluble qui devient gélatineuse avec de l'eau et est très bénéfique pour l'intestin et la santé globale. Lait et crème si vous cherchez une alternative sans lactose au lait de vache, vous pouvez opter pour la boisson à l'avoine. En outre, aujourd'hui, il est très facile de la trouver dans la plupart des supermarchés et de la préparer vous-même à la maison. Il existe également la crème de cette céréale qui est une boisson à base de farine d'avoine mais plus concentrée et épaisse, qui peut être utilisée comme un substitut de la crème quand il s'agit de préparer des sauces, des desserts, et ce L'eau d'avoine, l'eau d'avoine et ses bienfaits. L'eau d'avoine est un remède simple et populaire pour perdre du poids plus facilement. Elle eût être un complément très efficace dans n'importe quel régime pour perdre du poids, améliorer les troubles analytiques ou purifier le corps. L'avoine est l'une des céréales les plus complètes et bienfaisantes pour notre organisme. Les personnes intolérantes au lactose peuvent en préparer en tant que boisson végétale pour remplacer le lait.